l'armée sur un mode capacitif pour préparer le muscle. Ça favorise la décontraction du muscle et le drainage musculaire, apport de sang et libération des toxines. Sur une technique de massage. De toute façon, je peux faire le. Alors, vous pouvez copier Sophie. Les muscles périarticulaires, puis ensuite de faire un travail athermique sur la zone inflammatoire. L'objectif étant de diminuer les douleurs et de gagner en amplitude. Là, on travaille sur des contractures profondes, à distance, avant-bras et bras, ça va? Tu sens un peu chaud? Oui. Là, je vais laisser, quand c'est chaud, tu me le dis. Ça va? Oui. Tu supportes? Et on a la sensation que la contracture musculaire fond un peu comme du beurre sous les doigts. Ça va? Plus souple? Ensuite, on diminue les intensités pour être dans un mode froid. On n'a plus de chaleur du tout. Et prenez un instant. Elle a un grand. Je fais ça parce que c'est une technologie qu'on vient d'avoir depuis 4 jours. Ouais. Qu'il y a moins de 40 cabinets équipés en France. Voilà, c'est une technologie de massage assez exceptionnelle. Ça va, tu portes? Et aujourd'hui, il y a tous les grands clubs sportifs européens qui sont équipés. Mmh. C'est une technologie espagnole qui a été mis au point, la source de motivation c'était de trouver un traitement antalgique pour toutes les problèmes de tendinite, notamment de Rafael Nadal. Et donc ils ont sorti quelque chose d'assez exceptionnel. Qui permet d'aller travailler sur toutes les. Et qui. Oh, ça lui est. Criez jamais. Il y a souvent quand tu avais vraiment mal, hein. Ça faisait quand même, ouais. Vous le prenez en photo, ça? Ce que je révise après le soir. La nuit. Il devait en avoir une de photo là-bas, votre copain. Il m'a dit. Je crois pas qu'il en ait. Ah! Non, mais que vous y avez fait passer. Oui, je l'avais envoyé là. Vous avez fait ça aussi, j'ai fait partout. Elle a tout fait. Nous a dit mal. Et la machine. C'est plus une nouvelle. Ah, mais posez-vous sur la machine.